Un jour, dans le grenier, près de l'album de l'oncle Ernest, j'ai mis la main sur un animal étrange. Il ne semblait pas vraiment bien dans sa peau. Le vétérinaire nous a dit qu'il était en train de dépérir. La seule façon de le sauver, c'était de le rapporter dans son pays. Croyez-moi, la famille a mis toutes ses économies. On a pris la voiture, l'avion et puis le bateau jusqu'aux îles où on l'a remis en liberté. Plus tard, en me plongeant dans l'album de l'oncle Ernest, j'ai compris comment cet animal était arrivé jusqu'à nous. Que voulez-vous ? Quand on croit aux légendes, on peut confondre un œuf de dinosaure avec celui d'un caméléon. Cet œuf, qu'il croyait fabuleux, c'était ça son véritable trésor. Tout le reste n'était qu'une diversion. Comme dit ma mère, le temps passe et ne transforme pas toujours les rêves en réalité. Pourtant, même si l'oncle Ernest s'est trompé, on n'oubliera jamais cette façon qu'il avait de serrer contre lui son album secret.